Il avait des biceps comme ça, un déhanchement et une allure impressionnante. Il avait un thorax comme ça. Bref, on peut dire que c'était un type. Ah oui, il avait un thorax comme ça. Quand vous allez voir celui que Julie Ferrez a invité, comme on le fait assez régulièrement, c'est de prendre un champion olympique ou pas, un champion quelconque, et de lui dire comment vous faites pour vous entraîner, vous travaillez comment et pour travailler quel muscle. Alors là, il s'agit de qui? Alors, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Rouin, qui est un rameur français international. Et donc, lui, il fait de l'aviron. Il est champion olympique avec son binôme Rémi Azou. Ouais, là, costaud, c'était à Rio. Hein. Mais c'est des monstres de muscles. Ce sont des statues grecques. Ils sont magnifiques. Ouais. Et donc, il a 22 ans. Il s'entraîne au club de Toul, près de Nancy. Il a commencé l'aviron, il avait 10 ans. Il fait en parallèle des études de commerce. Il faut savoir que pour l'aviron, on s'entraîne quand même tous les jours. Et c'est presque 6 heures d'entraînement par jour. Hein. Ah bon? Et peu importe le temps, ils sont dehors et ils rament. Et c'est assez impressionnant. Alors, je vais demander quels étaient ces exercices. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie? Ben non, rien d'autre. Il rame 6 heures par jour. Bon, par contre, c'est juste magnifique. Et puis, c'est un mental d'acier. Et puis, il est champion olympique. Et champion olympique. Alors, lui, il est champion. Il était champion du monde élite en 2015. Et puis, vainqueur du circuit Coupe du Monde en 2016. Et médaillé olympique. Vous allez voir. Exercice pour travailler l'ensemble du corps. On a besoin d'un kettlebell. C'est assez facile. Pour rappeler ce que c'est, peut-être pour. C'est un poids. Oui. Nous, on a pris 4-6 kilos. Un kettlebell, voilà, c'est ça. C'est une grosse cloche, en fait. C'est comme un poids pour le lancement du poids. Voilà. Oui, voilà. Puis on lui met avec des oreilles. Petite anse. Vous allez voir, c'est facile à faire. Je compte sur vous. Oh là. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci à toi. Alors, tu vas me montrer deux exercices de ta préparation physique. Tout à fait, oui. Lesquels? Alors, c'est les exercices qu'on utilise dans la préparation physique de l'aviron. D'accord. On va essayer de travailler le plus de muscles possible en alliant un petit peu de cardio. Pour commencer, on va travailler avec les kettlebells. Ok. Donc, on va se situer bien en face du kettlebell, les pieds parallèles. Descendre pour aller le chercher avec le dos bien gainé. Et on va le lever le plus haut possible. Tu inspires à la descente et tu souffles à la remontée, c'est ça? C'est ça. En allant toucher le kettlebell au sol et en essayant de mettre du rythme. Alors, toi, habituellement, tu prends combien de kilos? Habituellement, on fait des séries d'une trentaine avec 20 kilos. Ah oui, bon. Nous, on n'est pas Pierre, hein. On n'est pas champion. Donc, on va rester entre 4 kilos et puis jusqu'à 8 ou 10 kilos. Et on va faire 10 répétitions, ce sera déjà pas mal. Ouais. Allez, on est parti? C'est parti. On descend, le dos bien droit et on souffle, on remonte. On a le dos bien droit, on souffle à la remontée. C'est vrai, quand on descend, on sent bien son niveau des fessiers. Hein. C'est que c'est bien réalisé. Ok, et on relâche. Ok, super, j'ai bien senti partout. Et alors, le deuxième exercice? Alors, le deuxième, ça va être un peu plus postural. Donc, on va travailler sur le sol, on va s'asseoir. Okay. Et ce sera des abdominaux. Alors, on va se servir du poids. C'est vrai que quand on rame, c'est beaucoup les abdos. Tout à fait. Mais donc, du coup, c'est important d'avoir un tronc solide. Donc, on travaille les abdominaux, notamment les obliques. Donc, voilà, on va se positionner comme ça, avec les jambes en face de soi. Et on va essayer d'aller toucher le côté. Et de revenir. Fois. Voilà. Toi, tu fais combien de répétitions à l'entraînement? Là, sur cet exercice-là, on en fait une cinquantaine, avec entre 10 et 20 kilos. Bon. Eh bien, nous, on va se contenter de 10 à 15 répétitions. Hein, et on va être entre 4 et 10 kilos, parce que c'est vrai qu'on sent bien, les obliques, c'est les sûr. Bras aussi. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez le temps de relâcher. Alors Pierre, toi tu fais combien de séries sur ces exercices? Alors ces séries, pour nous, elles viennent s'incruster au cœur d'un circuit de musculation et on en fait 3. D'accord, donc on fait 3 séries de 10 à 15 répétitions sur le premier exercice et puis sur le deuxième au sol pour les abdos. Et je vous assure que vous aurez le même corps aussi parfait que celui de Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Une machine. Mais en plus, on regardait son corps, mais il est tout mince.
tout mince, mais il n'y a pas un pet de gras, William. Alors ça, c'est les deux exercices alors, qu'il faut faire. Il a des bras, il ne faut pas l'embêter. Hein, en même temps, ça rame. Très important, il participe le 14, 15 et 16 avril prochain à Casaubon, donc en Occitanie, près de Auch. C'est le rendez-vous le plus important pour les rameurs français. Mm-hmm. Et il va savoir s'il est sélectionné pour faire les compétitions internationales. Donc on croise les doigts pour lui. Mm-hmm. Pierre. Mais là, il s'est bien entraîné. Le poids qu'il avait, là, fait combien? C'est ridicule, c'était 6 kilos pour 6-8 kilos. Oui, mais lui, il fait... 20. 20 kilos, lui, il prend 20 kilos. 20, au-dessus de la tête, comme ça? Oui. Et 20 kilos de part et d'autre, comme ça aussi? Oui. Parce que là, tout le travail, c'est les abdos. C'est les abdos, le dos. C'est le travail le plus important pour l'aviron. Mais nous, on reste à 4 et 6 kilos, ça nous va.